C'est Aimé Jacquet qui m'a induit en erreur tout à l'heure. Et le voilà, le fameux Elfégur Sverrisson. Eliofur. Eliofur. Elfégur. Belle figure vous-même. Oui, là voilà. Ouh, oh, quel but. But de Lamberts à la... Alberts, oui, pardon. À la... Joueur 12e minute de la deuxième mi-temps. Le joueur des Glasgow Rangers qui, samedi dernier, avec les Rangers, a gagné la finale de la Coupe d'Écosse grâce à un but de Wallace. Et bien sûr, cette finale de la Coupe d'Écosse opposait les Glasgow Rangers aux Celtic de Glasgow. Et les Glasgow Rangers, à cette occasion, avaient réussi le triplé, Kiri. Coupe de la Ligue, championnat et Coupe d'Écosse. Mais c'est vrai que ça n'a plus tout à fait la même valeur qu'auparavant. En tout cas, Djorkaeff. Dans la foulée du but marqué par la sélection, eh bien, c'est un pénalty qui va être tiré par qui donc alors ? Par Leboeuf, Franck Leboeuf. Il y a des tireurs, Leboeuf, il y va. Ou Djorkaeff. Ou Djorkaeff. C'est jamais bon. Que ce soit celui qui vient d'être victime de la faute, qui essaye de se faire justice lui-même. Ah, je me demandais ce qu'il regardait. Il regardait le panneau, le grand panneau où on repassait la faute et Alain Roche disait qu'il n'y avait pas faute. Enfin, toujours est-il que Djorkaeff... À droite ou à gauche du gardien, Thierry? À gauche. Gagné. Et 1-0. Et un partout. Et un partout, pardon, pour la sélection nationale contre la sélection internationale. Et le tout à la 14e minute. 59e minute. Keller, il peut frapper, oui, il l'a fait, ça a été contré. L'Islande et ouais, but. Quel beau but. Bien mis. Quel beau but de l'Islande sur ce ballon, plusieurs fois contré de Mark Keller. Et à la sortie, ballon enveloppé, Mark Keller qui, dans un premier temps, va frapper, le ballon va lui revenir. Cette petite passe et Lilian de l'Islande, un but de plus. Cette saison, un but non officiel. Mais un beau but quand même. 2-1 pour la sélection internationale. Il reste un quart d'heure à jouer. Anelka avec Dorasso. Petit. Attention, Albert. Leboeuf, interception de bas. Il a intercepté Anelka, attention, et but. Comme tout à l'heure, la réponse immédiate du berger à la bergère, petite faute de la sélection. Anelka en profite, 2-2. Il a vu cette prise de balle. C'est tout bon ça pour le football français d'avoir un joueur comme celui-là. Alain Roche fait une petite erreur. Je crois que c'est un phénomène, Jean-Michel. Ah ouais, parce que... Tout simplement. On a toujours l'impression qu'il en a sous la semelle. Il va tellement vite, il est tellement puissant. Tellement puissant. Et Nicolas Anelka va sortir. Anelka va sortir. Ovationné par le public du Stade Vélodrome.